Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour ce sujet qui concerne, on va dire, au fond, le bien-être moral des familles, puisque ça passe aussi par celui des enfants. Alors, en tant que parents, nous souhaitons le meilleur pour nos enfants. Nous souhaitons leur donner les clés pour réussir, mais parfois, à force de vouloir bien faire, on en fait un petit peu trop. Donc, où s'arrête l'accompagnement bienveillant et où commence la pression? Eh bien, on en parle ce soir avec Tissem Benjouloun, qui est psychologue. Bonsoir, Tissem. Bonsoir, Yasmine. Comment ça va? Ça va. Merci. Merci infiniment d'être avec nous en direct, Tissem Benjouloun. Alors, dites-nous, Tissem, en règle générale, avant de parler de cette pression qui peut être dérangeante pour la relation familiale, pour l'enfant, mais en règle générale, est-ce qu'il faut quand même une petite pression derrière? Toute petite, quelque chose. Est-ce qu'il faut suivre son enfant? Alors, il faut faire la différence entre... La différence entre pression et exigence, en fait. Peut-être qu'il faut qu'on soit exigeant envers nos enfants, parce que dans l'exigence, il y a de la bienveillance, il y a un peu d'écoute, on va voir un peu leurs points forts, leurs points faibles, on va s'adapter à eux et on va voir un peu comment on peut les aider. Alors que dans la pression, il y a plus de... Dans le mot pression, il y a le harcèlement, l'intrusion, le chantage affectif, il y a tout ça. Donc, est-ce qu'il faut de la pression ou un petit peu d'exigence? Moi, je vais dire qu'il faut peut-être être un petit peu exigeant et contractualiser avec nos enfants ce qu'on attend d'eux et surtout voir avec eux comment ils peuvent le construire. D'accord. Alors, ça, c'est très intéressant. Vous dites qu'il faut quand même être exigeant et il faut contractualiser avec eux. Alors, est-ce qu'on peut contractualiser avec un enfant dès le primaire? Oui, bien sûr. On peut contractualiser même avec un enfant de maternelle. Parce D'accord. En fait, il faut pouvoir expliquer. Oui. En fait, il faut pouvoir expliquer à l'enfant ce qu'on a. Enfin, qu'est-ce que l'école? En fait, dans mon cabinet, je vais reprendre l'explication du départ. Au cabinet, je constate très souvent pour les enfants qui sont en petite difficulté scolaire que souvent ils ne savent pas, dans leur plus jeune âge, pourquoi ils vont à l'école. À quoi ça sert? J'y vais, mais c'est parce qu'on me demande de le faire, parce que c'est dans la norme et parce que c'est une obligation. Mais le pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on y apprend, à quoi ça va me servir, ils ne le savent pas. Donc peut-être que là, ce qui serait intéressant, c'est de commencer par ça. Pourquoi on va à l'école? À quoi ça va te servir? On y va parce que tu vas apprendre des choses qui vont servir à avoir un bac, qui va te servir à aller à l'université, qui va te servir à avoir un travail, etc., pour pouvoir gagner ton argent. Enfin bref, toute cette discussion. Et à ce moment-là, on lui dit, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment tu as envie d'apprendre? Comment tu veux qu'on apprenne ce que tu dois apprendre? Est-ce que tu penses que ce que tu apprends à l'école est suffisant ou est-ce que tu as besoin d'un temps supplémentaire à la maison? Et comment est-ce que tu veux qu'on le mette en place? Est-ce que tu veux qu'on prenne le goûter d'abord ou est-ce que tu veux qu'on... Et à ce moment-là, on fait avec lui une prise de temps et on voit avec lui comment est-ce qu'il veut qu'on l'aide et qu'on élabore avec lui une manière de travailler. Alors ça, c'est un petit peu dans le meilleur des mondes, peut-être, si vous me permettez, parce que pour beaucoup de parents, l'école coûte cher. C'est un investissement, c'est vraiment une obligation de résultat, une obligation de retour sur investissement. Et donc, les parents ont tendance un petit peu à établir eux-mêmes les règles du jeu, sans se concerter avec l'enfant, parce que pour eux, un enfant, eh bien, ne sait pas encore vraiment ce dont il a besoin et quels sont ses besoins et comment réussir à l'école. En tant que parent, on sait mieux que nos enfants. Est-ce que vous arrivez à convaincre facilement les parents qui viennent vous voir pour cette problématique? Mais la problématique, c'est quoi exactement? C'est on investit, il faut que tu as une obligation de résultat. C'est ça la problématique. Si la problématique. Alors la problématique pour beaucoup de parents, c'est que l'obligation de rendement est là. Pas uniquement pour l'investissement, même si certains vont le sortir comme argument. Certains vont dire à leurs enfants, écoute, nous on paye beaucoup pour toi, nous on fait des sacrifices, nous on se saigne au travail, et puis tout ce qu'on te demande à toi, c'est de nous ramener de bonnes notes. C'est tout ce qu'on de te demande, de bonnes notes. Voilà. Et ça, tu n'es pas capable de le faire, de des bonnes notes. Je crois que vous connaissez bien cette phrase. Oui, il y a une obligation.
Oui, par cœur. C'est de nous ramener des bonnes notes. Et du coup, il y a une confusion. L'enfant ne sait pas pour qui il travaille. Est-ce que c'est pour lui ou c'est pour les parents? Est-ce que c'est pour se construire lui ou c'est pour réparer ses parents? Parce qu'en fait, ce qu'on constate, nous, comme vous disiez, c'est dans le meilleur des mondes, mais le monde d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est un monde où il y a vraiment une vraie anxiété de performance avec le culte de la avec un vrai culte de la performance. D'accord. Les parents, comme vous dites, dépensent énormément d'argent et ils ont à cœur que leur enfant réussisse parce qu'ils ont très peur de qu'il ne réussisse pas. Et puis même, ils veulent. Il y a un côté même une prolongation narcissique de soi. C'est-à-dire que quelque part, ils veulent que leurs enfants réussissent là où ils n'ont pas réussi, comme pour réparer une part d'eux-mêmes. Et c'est là où il y a une confusion. C'est qu'il faut vraiment qu'ils arrivent à faire comprendre à l'enfant qu'ils attendent de lui, qu'ils construisent son avenir à lui et qu'ils ne rentrent pas dans la confusion entre eux et lui. Parce que si c'est pour eux, l'enfant ne sait plus qui il doit rassurer, à qui il doit emmener des notes. Est-ce qu'il les déçoit, eux? Il n'est pas à la hauteur de ce qu'ils veulent, eux. Et du coup, l'enfant... Il y a un défaut de communication qui s'opère entre les parents et les enfants parce que l'enfant ne se perçoit pas comme un enfant. Il se perçoit par ses parents que comme un élève qui a une obligation de résultat et qui doit emmener des notes. C'est juste des chiffres. Des chiffres. Et du coup, l'enfant est un peu perdu dans tout ça. Et il ne sait plus si c'est pour lui ou si c'est pour l'autre, les parents, qu'il doit faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre à plat dans l'idéal, effectivement, toutes ces attentes et que vraiment les parents comprennent qu'ils ont face à eux un être singulier. Chacun de leurs enfants est différent. C'est à eux de voir le point fort, ce qu'ils peuvent attendre de cet enfant, comment ils peuvent l'attendre de lui et comment le construire. Mais pas attendre quelque chose de plaqué pour tous les enfants de la même manière parce qu'il faut vraiment s'adapter à chacun. Et les aider, mais si juste demander un résultat, c'est tout, je veux juste un résultat, point. Mais comment est-ce que vous, parents, vous pouvez l'aider à y arriver? Alors certains vous diront, moi je l'aide en investissant encore plus dans des cours supplémentaires. Voilà, donc il a besoin d'aide, je ramène des profs à la maison et donc il ne comprend pas en classe, ok, ben, on a des cours de soutien à la maison. Est-ce que c'est ça la solution? Mais c'est ça que moi, je me tue à expliquer à beaucoup de parents, mais qui finissent par le comprendre parfaitement. C'est que, alors, si on part du principe qu'un enfant n'est pas qu'un élève, c'est d'abord un enfant qui a des points forts, qui a des fragilités, qui a des points faibles, qui a des points à améliorer. On doit l'aider. Si on communique, on tisse des liens, qu'on discute sur sa vision des choses, sur ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ses passions, si en plus, on développe avec lui... Des activités où on construit avec lui le goût du faire, le goût d'aller vers l'effort. Parce qu'aujourd'hui, les enfants n'ont pas vraiment le goût de l'effort. Donc, du coup, il faut savoir le leur donner. Et ce n'est pas en leur mettant la pression qu'on va leur donner le goût de l'effort. Et c'est en tissant des liens, en discutant, en s'intéressant à notre enfant, en lui montrant qu'on le comprend, qu'on sait ce qu'il aime, et en allant vers ce qu'il veut, ce qu'il aime, qu'on va réussir à le convaincre de construire ce qu'il y a de meilleur pour lui-même, mais à le co-construire avec lui, mais si en lui imposant. Et justement, si un enfant, il voit que vous ne tissez pas le lien et que vous ne le voyez uniquement que comme l'élève, que vous ne parlez que de notes, quand il rentre de l'école, la première chose que vous faites, c'est de lui dire « Alors, qu'est-ce que tu as eu comme note ? Et c'était quoi la meilleure note ? Et la voisine, elle a eu combien ?» Si c'est que ça, il va y avoir un blocage. Vraiment un vrai blocage, presque une opposition de sa part, ou bien au contraire, il va être dans une forme de pression, de stress, de stress à bien faire, un stress une angoisse de performance qui fait qu'il va être perdu dans ce qu'il est en train de faire. Il va même plus savoir pourquoi il fait et qu'est-ce qu'il fait. Donc, il faut vraiment prendre le temps de tisser des liens, Yasmine. Je veux vraiment que les parents retiennent ça. Prenez le temps de parler à vos enfants. Collaborer avec eux, regarder ce qu'ils aiment et ensemble, vous allez arriver au résultat que vous voulez, si vous ouvrez le dialogue. Alors, d'autres parents, en préparant l'émission, j'ai eu l'occasion d'échanger avec beaucoup de parents, mais aussi avec des enfants. Donc, on reste sur les arguments des parents et après, on passera à ceux des enfants. Certains parents vous diront, mais vous savez, c'est très beau ce que vous nous dites, mais moi, je connais mon enfant, si je ne suis pas derrière,
C'est l'oisiveté la plus totale, la plus absolue. Je ne peux pas compter sur lui si je ne suis pas derrière. Voilà, il est pas du tout sur ses bouquins. C'est là où intervient la notion de contrat que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'on a beau être derrière. Moi, j'ai beaucoup de parents, effectivement, qui vont s'asseoir avec leurs enfants et qui vont faire les devoirs côte à côte toute la soirée. Et là, on n'est absolument pas dans l'apprentissage de ce qui va être nécessaire à son développement futur, c'est-à-dire l'autonomie et l'individuation, en fait. Il va apprendre à travailler à côté d'eux pour quelqu'un, mais jamais seul. Donc, on ne fait que retarder l'échéance. En fait, on ne fait que reculer le problème et agrandir le problème. L'idée, c'est d'expliquer en quoi il est nécessaire pour lui de travailler, pourquoi il doit travailler et qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie, gnagnagna. Et ensuite, lui dire, voilà, c'est quoi le contrat ? Tu as ça à bosser, tu le travailles, de telle heure à telle heure, on choisit avec lui le moment, et je reviens pour t'aider. Si tu as des difficultés, je suis là. Mais si tu ne le fais pas, eh ben, c'est l'histoire de la carotte et le bâton. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, ben, tu ne seras pas autorisé à aller à tel anniversaire, à telle fête, à telle autre chose. C'est donnons. C'est ça, en fait. C'est ça le souci, justement, petit Sam. C'est qu'on se retrouve dans ce système de récompense. Est-ce qu'il faut absolument y avoir recours ? Est-ce qu'il faut y avoir recours d'emblée avec tous les enfants ou bien uniquement lorsqu'on voit que, on va dire, notre enfant manque d'autonomie, qu'il n'est pas capable de se prendre en charge tout seul, on voit qu'il a besoin de nous derrière ? De récompense, Yasmine. C'est une histoire d'échange. C'est un échange. C'est une forme de troc, c'est-à-dire tu fais ton devoir, je fais mon devoir. Tu veux être autorisé à ça, il faut que tu mérites, il faut que tu aies fait ton travail. Tu ne peux pas aspirer à avoir un loisir ou aspirer à ci ou à ça si derrière tu n'as pas fait ce que ton devoir. C'est ça la vie. On est attendu sur certaines choses. Il y a le plaisir et il y a les devoirs. Donc, je ne peux pas te satisfaire sur ce point tant que tu n'as pas satisfait ce point. C'est un équilibre. D'accord ? Ensuite, je ne sais plus ce que vous me demandiez. Vous me disiez, est-ce qu'on est obligé d'installer cette histoire de la carotte ? Voilà. Alors, c'est ça ? Voilà. Est-ce qu'on installe ça d'emblée, c'est-à-dire début de l'année ? Début de l'année, on installe ça avec notre enfant ou bien on attend de voir ? Bon, là, on est en mois de janvier, OK, mais voilà, dans l'absolu, pour la prochaine rentrée, pour la rentrée de 2021, est-ce qu'on attend vraiment le démarrage de l'année scolaire ou bien on met ça d'emblée, c'est-à-dire la veille de la rentrée, on fait notre contrat ? Il n'y a pas un système valable pour tous. Chaque enfant est singulier, donc on doit s'adapter à chacun. Vous pouvez avoir des enfants qui sont extrêmement autonomes, responsables, très curieux, qui ont envie de connaissances et qui sont très heureux de travailler et qui n'ont besoin de personne. D'autres qui ont plus de difficultés et qui ont besoin d'aide. Donc celui-ci, on va s'asseoir avec lui, on va l'aider, on va lui expliquer la consigne, on va lui donner un cadre de travail, lui expliquer comment on lit une consigne, comment on la planifie, comment on répond aux questions. On est à côté de lui et progressivement, doucement, petit à petit, avec le temps, on s'éloigne. On peut lui dire, au bout de quelques semaines, on peut lui dire, bah, tu vois, maintenant, tu es capable de faire cet exercice. Je vais faire avec toi la première. Ensuite, je vais m'éloigner, revenir dans 10 minutes, tu auras fait ça. On peut lui mettre un sablier, lui mettre un chronomètre devant lui. Et c'est un exercice où on lui montre qu'il a tout à gagner à devenir autonome et savoir faire tout seul, parce que si je suis plus à côté, ben il va être fier de lui et j'aurai plus besoin d'être derrière à faire la police. Et les enfants, ils aiment pas ça, hein, qu'on soit derrière à faire la police. Ils aimeraient bien qu'on les laisse tranquilles et vite finir la tâche qu'ils ont à faire. Et en plus, je disais tout à l'heure, on doit s'adapter à chaque individu qui est devant nous. Il y a des enfants qui ont des difficultés et c'est à nous d'aller voir quelle est leur difficulté et à eux de nous expliquer aussi où c'est difficile pour eux, et on les aide sur le point sur lequel ils mettent le point. C'est ça. D'accord ? Mais si vous permettez, petit Sam, temps avec eux, on va mettre le doigt dessus. Alors, si vous permettez, justement, amener notre enfant à l'autonomie, c'est-à-dire à faire, on va dire, lui-même ses devoirs, revoir lui-même ses leçons, oui, mais est-ce que ça veut dire bien faire les choses ou bien lui laisser le droit de se tromper
Et à ce moment-là, de voir ça à l'école. C'est-à-dire que moi, mon rôle en tant que mère, c'est de veiller à ce que les devoirs soient faits. Mais comment ils sont faits, à quel degré de précision et de correction, ça, c'est à voir avec la maîtresse. Ben, ça, c'est un deal qu'on peut voir avec la maîtresse. Voilà. C'est tout l'intérêt de l'alliance qu'on va créer avec le professeur de nos enfants. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'on s'entende bien avec les professeurs de nos enfants, qu'on ne casse pas du sucre derrière le dos de la professeure du tout, et d'aller voir avec la prof quelles sont les difficultés de l'enfant, qu'est-ce qu'il arrive à faire seul et qu'est-ce qui est plus difficile pour lui, quels sont les points sur lesquels on doit s'attarder, et elle va nous dire, voilà, vous pouvez travailler sur tel point avec lui, mais ça, laissez-le moi, je vais revoir ça avec lui. C'est vraiment un contrat. Et mais d'ailleurs, parce que finalement, ce contrat dans cette réunion avec la prof. C'est ça, mais moi, ce qui me dérange un peu dans cette ce raisonnement, c'est que on se transforme un petit peu en instituteur à la maison en tant que parent. Et en tant que mère, moi, je n'ai pas envie d'être la prof de mes enfants. Je veux être là pour superviser, mais quand je dis moi, ce n'est pas moi, Yasmine, mais je parle au nom de certains parents qui sont dans cette position. Voilà, la maman en général. Je n'ai pas envie d'être là pour faire la prof. Je passe la journée dehors, je ne vois pas mes enfants, par exemple. Et quand je rentre le soir, en tant que père ou en tant que mère, j'ai envie de profiter de mes enfants. Maintenant, oui, il faut qu'ils fassent leurs devoirs, il faut qu'ils soient autonomes, c'est très bien, mais je n'ai pas envie de travailler avec eux des choses, j'ai pas envie de venir parasiter cette relation avec l'école. Ben, c'est bien pour ça qu'il faut travailler l'autonomie de nos enfants le plus tôt possible et les rendre autonomes, même si c'est janvier, on n'est pas obligé d'attendre le début de l'année pour mettre en place des bons réflexes. À n'importe quel moment de l'année, on le met en place et on corrige et on remet le curseur au bon endroit. Évidemment que nous, parents, on n'a pas envie d'être prof parce qu'effectivement, ça vient polluer notre relation avec nos enfants parce que c'est très toxique, ces petits conflits qu'il peut y avoir. Mais par contre, oui, notre rôle, c'est, on ne peut pas tout remettre entre les mains de l'école et dire, nous, à la maison, on va jouer aucun rôle. Non, on est là pour répondre à des besoins ponctuels sur des points précis, de difficultés précises. Si les difficultés sont beaucoup plus larges, majeures, etc., là, c'est un autre problème. C'est de vraies difficultés. Il faut qu'on aille voir comment, pourquoi, peut-être faire un bilan, voir une orthophoniste, une psychomotricienne, un psychologue. Mais des fois, vous avez un enfant qui a du mal à juste s'organiser dans son travail ou qui a du mal juste avec les multiplications. C'est des petites choses, des petits à-coups. Mais il est hors de question qu'on fasse le professeur à l'école, à la maison. À la maison. Les profs ne le veulent pas. Les profs ne le veulent pas, ils nous le demandent. Ils nous disent, s'il vous plaît, ne corrigez pas vos enfants. Ne faites pas à la place de vos enfants. Laissez-les faire, laissez-les venir avec leurs résultats faux. Ça me permet à moi de savoir mieux où il en est. C'est ça, absolument. Mais par contre, on peut, nous, parents, revoir avec nos enfants la méthode de travail. Parce qu'ils sont souvent un peu brouillons, ils ont envie de faire vite, ils bâclent. Ils ne vont pas pousser jusqu'au bout. Parce qu'encore une fois, je le redis, et c'est ça le mal des enfants de notre époque, c'est qu'ils n'ont pas le savoir, le goût de l'effort. Donc, ils vont le faire assez vite. Et ils ne vont pas aller en profondeur des choses. Donc, peut-être dans une discussion approfondie, s'ils ont une leçon d'histoire géo, qui me la raconte comme une histoire et on passe ça au bout de 5-10 minutes. Je ne suis pas obligée de passer des heures là-dessus. Absolument. Merci beaucoup, petit Sam Djeloun, pour ces conseils, ces idées, justement, pour calmer la vie en famille, à la maison, avec les enfants, la pression de l'école, etc. La parole sage, comme on dit. Merci beaucoup, petit Sam. Très bonne soirée. Très bonne soirée à toutes et à tous. Merci infiniment. Très vite. Au revoir. Très bonne soirée à toutes et à tous. Et un grand merci à toute l'équipe en régie. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain, 15h30, Média pour Blamiaet, 18h30 en direct sur Média TV. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur notre nouvelle plateforme, mediapodcast.com, ou télécharger gratuitement l'application Média Podcast. Très bonne soirée à vous.